Salut à toutes et à tous, et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau résumé. Aujourd'hui c'est le résumé de Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillant, deux remakes de la 4G qui ne se faisaient pas attendre. Et oui, effectivement ces jeux étaient sortis d'abord sur DS en tant que Pokémon Diamant et Perle, et à la suite du Pokémon Direct d'il y a pas si longtemps, on s'attendait plutôt à avoir une suite de Pokémon Épée et Bouclier. Alors ce fut le cas avec Pokémon Legend Arceus, mais on a aussi eu ces remakes qui sortaient nulle part. Et on va dire qu'ils étaient un peu boudés par les joueurs, déjà par le choix graphique, qui selon moi était un choix graphique plutôt bien, même si beaucoup de joueurs l'ont contesté. En fait, ce choix graphique reprenait plus ou moins ce qui se faisait à l'époque, et c'était vraiment ce qu'on attendait d'un jeu qui était sorti à l'époque, puisqu'on avait ce côté un peu chibi comme à l'époque sur la DS de base. Et bien là, on était passé juste en version 3D de ces chibisations, si on peut dire ça. Mais ça manquait d'une patte graphique, d'effets visuels un peu manquants. Et avec le nouveau trailer sorti le 18 août 2021, graphiquement, les éléments manquants ont été rajoutés, que ce soit des effets de lumière, des effets d'ombre, des effets sur l'eau, et surtout 2-3 ajouts graphiques en plus, c'est toujours sympa. Le jeu reprend évidemment tout le gameplay d'époque, avec quelques nouveautés et quelques ajouts qui sont vraiment pas pour déplaire, puisque le gameplay est entièrement respecté comme à l'époque, aussi bien graphiquement, dans l'interface graphique, tout est aussi comme à l'époque. Bref, on a le gameplay de l'époque, les graphismes de l'époque et des ajouts supplémentaires que je vais vous résumer maintenant. Des ajouts qui sont très très bien, à commencer par des ajouts visuels aussi dans les combats et surtout des ajouts de gameplay, ce qui est très très cool. Les premiers ajouts qu'on peut noter, c'est évidemment une personnalisation du personnage qui est présent, ce qui est vraiment pas pour nous déplaire, hein. Aussi, à noter que les personnalisations sont en fait des costumes, des tenues, des pièces qui n'étaient pas possibles d'acheter à l'époque, qui n'étaient pas personnalisées à l'époque. On notera aussi le retour des salles multijoueurs qui ont été elles aussi améliorées pour pouvoir proposer plus de fonctionnalités que les salles multijoueurs de base présentes sur la version DS. Et on pourra également noter la personnalisation de Pokéball qui a elle aussi été améliorée par rapport à l'époque, puisqu'à l'époque, la personnalisation de Pokéball était déjà là, mais moins grande que celle qu'on connaît aujourd'hui. A noter que le concours a été aussi revu pour un concours avec plus de mini-jeux, plus de choses à faire dans le concours qui est évidemment présent à l'époque, mais cette fois-ci a été amélioré. Non, le plus grand ajout, il s'agit évidemment des souterrains. Les grottes souterraines plutôt étaient déjà disponibles à l'époque, c'était des grottes qui vous permettaient d'aller récolter des minerais et surtout de voir un autre de vos amis qui avait aussi le jeu et la DS côte à côte. Ça vous permettait d'explorer des grottes qui étaient générées aléatoirement selon la cartouche il me semble, ou plus ou moins aléatoirement, et en gros vous pouvez participer à un mini-jeu de minage en fait, qui vous permettait de récolter des minerais, des fossiles, des objets rares pour vos Pokémon et votre survie dans le monde normal. Ça se passait en dessous de Sinnoh, et ça reprend un peu l'histoire de Sinnoh, puisque Sinnoh c'est aussi une ville qui est très minière, donc c'était logique qu'on avait ce mini-jeu, et c'était vraiment un énorme endroit très très vaste. Et bien celui-ci a été amélioré et revu, puisque maintenant vous avez non plus la grotte principale, mais aussi plein de grottes à thème qui en plus vous permettra d'aller capturer des Pokémon. Ces grottes à thème, puisqu'à l'époque on ne pouvait pas capturer de Pokémon, et bien grâce à ces grottes à thème vous pourrez capturer des Pokémon. Il y aura notamment des grottes sur le thème aquatique, jungle, lave, neige. Voilà, pour capturer des Pokémon un peu sombres. On n'a pas vu tous les thèmes, mais je suppose qu'il y aura des thèmes pour un peu chaque type de Pokémon. Et ce qui faisait le charme aussi à l'époque, c'est que grâce à ces grottes, enfin grâce à la seule grotte qui était disponible à l'époque, qui était la grotte principale, on pouvait créer sa base qui permettait en fait d'avoir un chez-soi, une maison. Voilà, on pouvait y ajouter des objets, des meubles, des choses. Et bien là, on pourra y ajouter encore plus de meubles, plus d'objets, plus de statues de Pokémon. Bref, encore mieux personnaliser sa maison qui était déjà possible à l'époque, mais dans une moindre mesure. Et ça fait très plaisir. En ce qui concerne l'histoire, elle n'a pas changé, toujours la même. La Team Galaxy veut évidemment prendre vos Pokémon et les Pokémon de tous ceux qui possèdent afin de les utiliser pour eux et de s'en servir pour faire évidemment tout plein de trucs à la con. Mais ce serait vous spoil si vous dire comment ça ressemble. Enfin, vous spoil si vous dire ce qu'ils comptent faire vraiment avec. Donc je vous laisse voir l'histoire. Sachez qu'il n'existe que deux versions, Diamant et Perle, et Platine a un peu été oublié, dommage quand on sait que Platine existait aussi à l'époque. C'est pas grave, en tout cas ça donne très envie de les tester, et croyez-le, il y en aura un sur la chaîne, puisque je vais évidemment les prendre, je suis fan de Pokémon, en tout cas des jeux. Voilà, quant à moi c'est tout pour ce résumé, j'espère qu'il vous aura plu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, puis on se retrouve très prochainement pour un test de The Legend of Zelda Skyward Sword HD. Tchuss tout le monde.